j'espère que vous êtes tous en forme. Moi, ça va super bien et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de recettes. Aujourd'hui, je vous propose la nougatine. Qui n'a jamais demandé de râpe de nougatine quand on est à un mariage, à un baptême ou tout autre événement où il y a de la pièce montée? Donc, c'est parti pour la recette. Dans une casserole, j'ai mis le sucre, l'eau et le glucose. Je vous rappelle que j'ai mis tous les ingrédients en barre de description. Ensuite, je fais bien chauffer le tout jusqu'à la formation d'un caramel doré. Pour pas que ce soit trop long, je vous ai mis cette étape en accéléré. Comme vous le voyez, le caramel est cuit. J'ajoute les amandes hachées et je mélange avec une spatule exoglace. Attention, n'utilisez pas de spatule souple, comme vous le savez, ça va fondre avec le caramel. Je mélange quelques instants pour que les amandes hachées soient légèrement torréfiées. J'ajoute le beurre hors du feu et je mélange encore. Sur une plaque avec du papier sulfurisé, je verse le contenu de la casserole. Attention de ne pas vous brûler. Avant que la nougatine ne refroidisse, je recouvre de papier sulfurisé et avec un rouleau pâtissier, je vais venir l'étaler au maximum. Je peux faire toutes les formes avec la nougatine. Si je veux lui donner une forme spécifique, il suffit tout simplement de la mettre au four pour la ramollir et ensuite la détailler au couteau, la ramollir au four et redétailler. La nougatine est prête. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez vous aussi la nougatine. Dites-moi aussi également en commentaire des suggestions de prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut !